Bois du Marais est inclus dans le site Natura 2000. D'une superficie de 96 hectares, ce lieu a été classé en 2007 en raison de la présence de zones humides et de nombreuses mares. Ces milieux sont favorables notamment à la reproduction des libellules, des grenouilles, des tritons. Nous nous approchons maintenant de la ferme de la Renaissance. La ferme Renaissance de Pomponne a été édifiée au début du 19e siècle. Le terme de Renaissance lui est attribué probablement pour sa façade centrale affublée de colonnes, donnant une impression de construction du 16e-17e siècle. Les deux tours ont été rajoutées au début du 20e siècle par la famille Dumez, dont Albert Dumez fut maire de Pomponne de 1900 à 1905. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, Madame Dumez décède et le comte Édouard Dutour en hérite. Il s'empresse de le louer à un métayer qui cultiva des terres qui s'étendaient alors sur plusieurs hectares. En 1975, les communs qui étaient face à la ferme furent détruits. Au milieu des années 80, le métayer déserte la ferme. Abandonnée, la ferme est livrée aux pilleurs, ouverte à tout vent. La ferme se dégrade rapidement. La construction de la ligne TGV Est en 2001 a réduit à néant la possibilité d'aménagement de la ferme en lieu d'habitation, d'autant que les lignes à haute tension de la centrale thermique sont très proches également. Malgré les efforts de rénovation du parc en 2007 pour en faire un lieu de pique-nique, l'endroit est aujourd'hui plus un terrain vague à l'abandon qu'une aire de repos. Maintenant, on se dirige vers le chemin des vaches, en passant par la Pomponnette. Le chemin des vaches est dans le bois de Brou et les sépare. Il s'appelle comment, mesdames? Le bois de... Natura 2000 ou le bois du Marais. Je l'ai dit, hein. Le bois 2000. Natura 2000 ou le bois du Marais. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce bois-là? On a vu une ancienne ruine. Comment elle s'appelle? Oh, je ne sais plus. Oui, de la Renaissance, Gilles. Quelle année? Qui en était la propriétaire? Dumez. Et on se refroidit. Hein. Non. Rosa, tu vas pas me faire ma rando. Dans le parc, deux parcours vous sont proposés. Le parcours de l'arboretum et en complément, le parcours pédagogique.
Et on finit par le parcours pédagogique.